Bonjour à tous, vidéo matos, hop, logo matos, voilà, on est des professionnels de YouTube, on essaie de faire des choses bien. Dans cette petite vidéo matos, je vais vous présenter le magnifique, je sais pas encore, j'ai pas encore ouvert la boîte, le pedalboard Xpend de chez Dadario. Voilà, ben on attaque, c'est parti. Alors je vous en ai parlé il y a quelques semaines, les gens de chez Dadario m'ont contacté en me disant « Romain, on aime bien ta chaîne, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux bien parler de nos produits ?» Je leur ai dit « Oui, mais je dis ce que je veux. » Ils m'ont dit « Bon coup. » Voilà. Donc sachez que cette vidéo est sponsorisée, mais ce que je dis n'est pas sponsorisé. Je dis ce que je veux, c'est pas scripté du tout, j'aurais jamais accepté un truc pareil. Voilà. Et aujourd'hui, je découvre le Xpend qui est sorti il y a, je sais pas, un an peut-être, un truc comme ça, peut-être plus. J'ai regardé des vidéos sur Internet. Il semblerait qu'il faille le monter soi-même. Donc ça va être peut-être un petit peu vidéo bricolage. Déboîtage en règle. Je vais réussir à me blesser, vous allez voir. Hop là. Voilà. Oh oui. Oh, 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 oh. Nous allons bricoler. Nous allons bricoler. Regardez-moi ça. Voilà. C'est livré avec le kit de bricolage. Il y a tout. Il y a même la petite clé 6 pans. Ou BTR. Ou Allen. Je sais jamais laquelle c'est. J'ai l'impression de refaire du Lego. Vous vous souvenez de cette vidéo Lego? J'avais fait l'ampli, la gratte et tout. Bizarrement, c'est ma meilleure vidéo. Enfin, c'est une où j'ai le plus kiffé. Oh, ils ont même mis le petit scotch, regarde. Le petit scratch qui va bien. Le petit scratch pour pouvoir coller les pédales. Donc le concept de ce pedalboard, hein, si des fois vous n'aviez jamais vu, c'est que c'est un pedalboard qui est télescopique. C'est-à-dire qu'il peut être tout petit pour avoir, 4 pédales bien serrées ou 3 pédales et une petite alim. Mais il peut aussi être plus long, en fonction des besoins. Donc pour les gens qui tournent, ça peut être intéressant ça, en fonction de là où je vais, en fonction de ce dont j'ai besoin. Oh, d'accord, très bien. Ah, les pieds sont réglables. L'inclinaison du pedalboard va être possible grâce à des petits pieds réglables au top du top. Trop bien ça. Écoutez, jusqu'ici, cette avance de pedalboard, ça avance plutôt bien. Regardez, hop. Alors, c'est bancal, pourquoi? Parce que le pied est réglé mou. Hein. Il n'est pas réglé pile poil comme l'autre pour l'instant. Et on va faire ça bien, regardez. Hop là. Ils ont même mis le petit scratch en dessous, il y a peut-être moyen d'y scratcher un peu du pedalboard. On peut scratcher une alim? Vous pensez qu'on peut scratcher une alim? Ça, je sais pas. Les pros du pedalboard, là. Les PALF, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut scratcher une alim en dessous? Ça peut schémar, ça? Ils font les toutes petites alimes de... Hein? Je sais pas. Je ne sais pas. La question est posée. Allez, on fait un petit tour de ce pedalboard. Je le termine vite flash. Et on en parle juste après, avec une excellente nouvelle, parce que il y a de la réduc. Il y a une réduc, forcément, je vous ai trouvé un petit partenariat qui va bien, pour que vous puissiez bénéficier de réduc si des fois vous achetez ce genre d'outils. Voilà. Alors je suis toujours un peu en étoile, hein. Enfin en étoile, hein. C'est un peu comme les carbus de mobilette. Hein. Carbus 15, J-Cord 17, ça, cartouche Poligny, ah, les vrais savent. Les vrais se souviennent, hein. Moi je dis ça comme si je me souvenais. J'ai jamais eu de mobilette, c'est mon frère qui avait une mobilette. Guidon bracelet, pédale de lanceur, tout ça quoi. Ah, j'ai connu, je suis vieux maintenant. Et regardez-moi ça, la place qu'il y a là-dessus. Ou la place que ça ne prend pas aussi, en même temps. Regarde. Génial! Voilà! Qui permettra donc de passer les petits câbles à l'intérieur. Hop! Les petits câbles dedans, ou les petits câbles en dessous, les machins. Écoutez, c'est vachement bien pensé. C'est livré avec le petit scratch qui va bien à coller au fion de vos pédales pour qu'elles tiennent dessus. L'avantage, c'est que si vous avez que peu de pédales, ça marche. Regardez. 1, 2, 3, 4. Ouais, allez. Allez, 4 pédales. On va dire ça. Et si vous en avez vachement plus. Ah, us. Hop là. Et c'est fermé. Et on peut en mettre le double.
Je trouve ça très 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 sympa, très très fun. Je trouve ça vraiment cool. Je pensais que ce serait gadget de ouf. Et en fait, bah pas du tout. Il y a ce qu'il faut pour passer les câbles au-dessus, en dessous, et même quand il est ouvert, il y a moyen d'en mettre aussi à l'intérieur là, histoire que ce soit tidy, hein, comme on dit, parce que voilà, l'amateur de pedalboard aime bien qu'il n'y ait pas de câble qui dépasse, etc., etc. Franchement, vachement bien. Ouais, donc bravo Dadario, je dis oui. Donc voilà, Dadario Xpend, pour la modique somme de un peu moins d'une centaine d'euros chez Dadario, mais peut-être moins cher chez notre partenaire, vous allez voir, ça vient juste après. Dadario, ils ont pensé à tout. Parce que Dadario, ils font des pedalboards, plein de trucs comme on a vu, mais ils font aussi des geekbags. Et ils ont fait le petit geekbag qui va bien. C'est le geekbag Backline pour le Xpend 1 pedalboard. Voilà, donc c'est fait exprès pour ce pedalboard là. Alors je vous passe le fait que c'est très très bien fini, que c'est épais, regardez, moi avec de la grosse mousse bien épaisse et tout, avec la petite sangle pour pouvoir le porter sur l'épaule bien sûr et tout, le petit machin réglable qui permet de choisir en fonction de est-ce que j'ai un petit pedalboard ou est-ce que mon pedalboard il est plus grand. Ok, donc en fonction de la taille de mon pedalboard, on va dire qu'il est comme ça notre pedalboard, je peux régler où est-ce que je mets le petit séparateur qui va bien pour que tout soit bien calé. Comme ça, d'un côté, je mets mes médiators, mes cordes, mes jacks et mes machins. Ici, j'ai mes pédales. Hop, je referme et par-dessus, regardez-moi ça. Bon, regardez-moi ça, on a une grande poche pour mettre du jack, tout ce dont vous avez besoin. Il y a limite la place de mettre un manche de rechange, tu vois. Merci à Dadario d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et c'est pas fini, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai créé un espace gratuit sur l'école Guitar Cook, donc école.guitarcook.com. Espace gratuit dans lequel vous retrouvez le kit de survie du guitariste. Kit de survie théorique, les accords, les arpèges, les nanani, les nanana. Et dedans, je vous mets de temps en temps des petites réductions qui vont bien. Et ben là, ce sont les gens de chez Palf, voilà. Pédale à la française, un revendeur de matériel et une chaîne YouTube de renom maintenant sur YouTube, Palf qui m'ont proposé de, bah, vu qu'ils vendent du Dadario, de faire une petite réduc qui va bien. Donc si vous venez de la part de Guitar Cook chez Palf pour acheter votre Xpend de chez Dadario, et ben vous pouvez mettre de côté des sous. Voilà, vous allez retrouver tout le détail de cette offre sur le kit de survie du guitariste, donc je vous invite à suivre le lien en description. Allez jeter un petit coup d'œil à ce pedalboard de chez Dadario, franchement il est super bien pensé, c'est super sérieux, c'est propre, c'est élégant, c'est quand on est un petit peu tatillon de la pédale, j'ai envie de dire, hein, quand on aime que tout soit bien comme... Ah, et puis qu'on veut en plus que ça puisse grandir avec notre budget, c'est super bien. Voilà, Dadario Xpend, merci Dadario, merci à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir supporté cette vidéo bricolage. Coucou à Palf, et allez jeter un petit coup d'œil sur le kit de survie du guitariste où vous allez trouver les petites promos qui vont bien. Des grosses bises, à la semaine prochaine, salut. Mais moi je pensais que ce serait gadget un peu, le côté qui grandit, qui nanani, qui nanana. Mais je repense à mon mois d'avant, où je faisais des, tu sais, sur les planches, tu fais des pedalboards sur des planches que tu bricoles toi-même et tout. À chaque fois que tu rachètes une pédale, tu es obligé de recommencer. Là, tu peux avoir, tiens, regarde, 4 pédales au moins. Bim, 5. Hop là, Noël arrive, une sixième. Hop là, une de plus. Encore une. Hop là. Il peut y en avoir quasiment autant qu'on en veut, j'ai envie de dire. Bravo Dadario, merci. Hein, allez, à la semaine prochaine, salut.